Bonjour à tous et à tous, je m'appelle Barb et je fais partie du Master 2 didactique de langue d'Île d'Orendo. Dans la continuité du projet de Claflo proposé aux étudiants l'an dernier, j'ai construit un corpus sur l'écriture de l'exil intitulé L'intimité du jeu, exilé mis à nu. La présentation de mon travail s'effectuera en trois parties. Dans un premier temps, j'expliquerai l'utilité de Tingling dans le cadre de ce travail. Puis, nous explorons ensemble mon tingling afin de découvrir les éléments qui constituent mon corpus. Enfin, j'exposerai les difficultés que j'ai rencontrées au cours de la réalisation de ce travail. Est une plateforme numérique permettant de créer des supports interactifs grâce à l'utilisation d'images à 360 degrés. Celle présentée ici illustre la place Tiananmen située à Pékin, car c'est un lieu au cœur d'une des œuvres étudiées dans mon corpus. En utilisant des icônes, le monde virtuel permet aux visiteurs de se promener et de découvrir divers contenus multimédia. Notre technique est divisée en cinq parties. La première présente les documents généraux du corpus, c'est-à-dire ce que j'ai élaboré au cours du semestre pour présenter mon travail dans son intégralité. La deuxième partie expose les yeux baissés de Tarmé Angelou, le premier roman de mon corpus. Avec la même logique, les troisième, quatrième et cinquième parties illustrent les trois autres œuvres et auteurs de mon travail. Chaque point met en avant la biographie de l'écrivain, une vidéo illustrant le roman et un extrait de ce dernier. Un travail d'une telle ampleur comme celui d'un corpus implique quelques difficultés. Lorsque j'ai débuté mon exploration des corpus de l'an dernier, j'ai découvert Pour de la pestilence de Champsaur et j'étais intéressée par l'idée du journal intime. En suivant cette idée, j'ai trouvé Ce n'est pas un hasard de Ryuko Sekiguchi, qui prenait aussi cette forme. Puis, dans un autre ancien corpus, j'ai relevé Les yeux baissés de Tarbien Jelloun, écrit à la première personne. Continuant dans cette optique du journal intime, j'ai cherché une autre œuvre reprenant plusieurs caractéristiques communes aux trois autres. Il fallait un livre écrit en français par un auteur étranger avec une narratrice interne s'exprimant sur son exil. Après des heures de recherche, j'ai trouvé Marx et la poupée de Maryam Majidi qui remplissaient toutes les cases de ses particularités littéraires. Néanmoins, en relisant les extraits relevés depuis septembre, j'ai remarqué que deux œuvres n'entraient pas dans cette catégorie, celle de Tarbien Jelloun et de Maryam Majidi. En effet, il était écrit à la première personne, mais les dates et la conjugaison attendues pour ce genre littéraire n'étaient pas présentes. J'ai donc effectué des recherches sur la définition des genres littéraires à la première personne. Ainsi, l'autobiographie, qui est un récit d'une personne réelle retraçant son passé, ne correspondait à aucune des quatre œuvres. L'autofiction, qui est un mélange entre une autobiographie et la fiction, représentait Marx et la poupée. Le journal intime, qui peut être fictif ou réel, mais qui doit être écrit au présent et être daté, s'appliquait pour Porte de la paix céleste et ce n'est pas un hasard. Enfin, la fiction, qui expose des faits imaginés pouvant être narrés à la première personne, s'accordait avec les yeux baissés. Ainsi, en dépit du fait que le genre de journal intime ne pouvait plus relier les quatre romans, la narration à la première personne par une femme exilée faisait toujours le lien. J'ai donc décidé de redéfinir mon corpus. L'intimité de jeu, exilée mise à nu, et mathématiques, témoignage de femmes exilées, l'écriture de soi comme seule compagne de narratrice en perte d'identité, tiraillée entre terre d'accueil et pays d'origine. Je vous remercie pour votre écoute et j'espère que cette présentation vous donnera envie de découvrir mon corpus.